Hey, bonjour à tous et bienvenue pour cette toute nouvelle vidéo. Aujourd'hui, vidéo vlog au parc du Château du Diable, donc beaucoup de légendes. C'est un château en ruine qui a été bombardé, donc j'expliquerai ça en détail dans ce vlog. Et je suis en compagnie de mon chien, Pixel, il est là, elle est un peu chiante. Donc j'espère que ça ira bien, sinon elle ira dans la voiture et hop, je filmerai. Voilà, à toutes. Donc voilà, ce parc est très très grand, donc il y a plein de promenades et vous allez voir, il y a des ruines du château. Vous voyez, il y a plein de chemins, on va un peu aller par là, un peu aller en haut. Le plus intéressant, c'est en haut, c'est là où il y a toutes les ruines du château. Donc on va y aller, donc on va passer par là. On va passer par là, allez, c'est parti. Là, ça monte. Ça monte, ça monte. Ça va très très haut, hein. Regardez bien. On est là, on est en train de monter énormément. On est en pleine forêt. Donc ce château, regardez. Vous pouvez voir de loin. C'était énorme, regardez. On est en pleine forêt. Et ça monte beaucoup. Donc là, nous sommes juste... sur le premier ruine du château, vous voyez les pierres, etc. Voilà. Est-ce qu'on a droit à aller dedans? On va aller voir tout de suite. Ah, il y a des escaliers. Là, on va y aller. Je suis juste en face d'une tour du château. Je sais pas si vous voyez. Non, il reste plus rien presque. C'est vraiment en ruine. Vraiment, ce château, c'est vraiment tout détruit par les bombardements. C'est impressionnant. Et du coup, je voulais vous parler un peu de cette histoire. Donc, pour savoir pourquoi on a appelé le château du diable. Parce que le seigneur Dondelf, je sais pas comment il s'appelle, ouais, c'est Dondelf, le seigneur Dondelf a vendu son âme au diable. Et depuis, on appelle ce château le château du diable. Voilà. Allez, on continue. Là, vous voyez là, nous sommes juste à côté du mur qui protégeait le château. Vous voyez, c'est assez grand, ça va jusqu'au fond. Malheureusement, hein, les bombardements, c'est en l'air et du coup, ça a tout détruit sur son passage. Voilà. Un pixel. Allez viens mon chien, on y va. Donc ce lieu elle fait partie du départemental. Voilà, du départemental, il fait partie de la commune de Conan. Mais je sais pas c'est quoi ça, je sais pas si vous savez c'est quoi. Donc mettez-moi en commentaire. S'il vous plaît, mais
partout dans le parc, il y a des arbres assez rares où ils montrent des origines. Comme là, je suis en dessous d'un laurier des accords. Origine accord. Hop, voilà. Donc on voit, il y a pancarte et il y a l'arbre ici. Vous voyez, je suis en dessous d'un arbre. Donc partout dans le parc, il y a les origines des arbres. Donc c'est pas mal. Et par contre, c'est vraiment grand comme parc. Et oui, donc ça devait être un grand château. Mais c'est dommage que ça a été bombardé, quoi. Voilà. Donc là, je me promène. Là, je pense qu'il n'y a presque plus de ruines. Si, il doit en avoir là-bas, là. On voit un peu. Et vous voyez là-bas, il y a la mer. Là. On voit carrément la mer de loin. Donc, c'est pas mal. On est en pleine forêt. Ah ouais. Ils étaient bien protégés, hein, n'empêche. Hein. Avant le bombardement. Allez, on se promène. Il y a une belle vue derrière moi, de vue de la mer et l'Orient qui est juste là. On voit pas très bien en vidéo, mais il y a la vue de l'Orient. Voilà. Voilà, nous arrivons bientôt à la voiture. Donc hein, vous voyez la vue derrière de la mer. Et donc on vient d'en haut, là où il y a le château, par là. On voit pas. Voilà, par là il y a le château en ruine. Et là, bah, on descend jusqu'à la voiture et ça va être fini la visite. Vous voyez, elle est très heureuse ici, le chien. Donc venez avec votre chien, vous pouvez lâcher votre chien. Par contre, il y a plein de gens qui promènent, donc qui promènent leur chien. Donc faites gaffe quand même. Et voilà. Voilà, je suis arrivé à ma voiture. Donc j'ai terminé là pour aujourd'hui pour cette vidéo. Si vous avez aimé, mettez un max de j'aime, partagez cette vidéo et abonnez-vous à ma chaîne si vous n'avez pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Allez, tchuss !